Bon, les gars, nous allons un peu écouter le manager de Prince Aimé. Hein. Le gars menace de Bordeaux le confa. Écoutons attentivement. Grand frère de Bordeaux, avec tout le respect que je te dois, tu sais déjà que Ivoirien, Camerounais, c'est la famille. On ne parle jamais d'un Ivoirien sans parler de Camerounais. Mais je suis en train de voir sur la toile que tu vas entrer en studio pour refaire la musique de notre artiste camerounais Prince Aimé. Chaque fois que tu as fait tes vidéos ou bien tu as fait un post, regarde bien, Gâteau International, j'étais tagué en disant j'ai le numéro de Prince Aimé ou alors je suis son manager, c'est-à-dire marche avec lui à Douala au Cameroun. Ou alors je suis son manager, c'est-à-dire marche avec lui à Douala au Cameroun. Ou alors je suis son manager, c'est-à-dire marche avec lui à Douala au Cameroun. Voilà, vous faites toutes les choses, vous faites toutes les choses ici là. Quand on va parler, vous allez arrêter les gens en route pour taper. Gâteau, tu te réveilles le matin avec ta grosse tête, avec le Njansan raté d'abord, toi et ta femme là. Tu dis que tu es le manager de Prince Aimé. Tu es le manager de Prince Aimé. Pourquoi quand il avait les problèmes de location, tu n'as pas retiré 100 000 pour dire que ouais, Prince Aimé, voilà, voilà, voilà. Maintenant que tu as vu qu'il y a le buzz, tu as vu que tu vas avoir un peu de dos dans le deal là. Tu vois que... J'ai le numéro de Prince Aimé. Ou alors je suis son manager, c'est-à-dire marche avec lui à Douala au Cameroun. Mais tu as ignoré. Jusqu'à ce que je voie le post que tu viens de faire en disant que tu vas entrer en studio. Quand tu as trop, on a trop bavardé, tu vas entrer en studio pour refaire le son de Prince Aimé. S'il te plaît, de Bordeaux, les Koufa, n'entre même pas en studio sans contacter l'artiste. Parce que c'est un handicapé, il est aveugle. Déjà, on te dit merci parce que tu as soulevé cette team. Tu as soulevé un morceau qui date de 20 ans aujourd'hui. Mais il y a ce qu'on appelle la valeur de quelque chose. Le sommet les droits d'auteur, Camerounais et Ivoiriens, c'est la famille. Mais je préfère qu'avant d'entrer en studio, que tu contactes Prince Aimé, tu essaies de lui dire quelque chose. Tu essaies de causer avec lui. Pourquoi pas faire un featuring avec lui? C'est un handicapé, il est malvoyant et actuellement il traverse des moments très difficiles de Bordeaux, les Koufa. Ne fais pas, n'entre pas en studio sans contacter ce mec. Sinon, nous les Camerounais, je sais quand il dit nous, donc on dit que toi, pas nous. Mais ceux qui ont la moralité, ceux qui savent ce qu'on appelle, ceux qui savent ce que c'est que la moralité, vont être derrière moi. Alors, de Bordeaux, les Koufa, n'entre pas en studio sans contacter Prince Aimé. Il y a les contacts, si tu veux causer avec lui-même, il va décocher. Qui derrière Prince Aimé, il a une famille. Il a une famille, ta carrière te dépasse à manager. Tu es manager depuis quand? Toi, tu es manager depuis quand? Après qu'on va parler, tu vas m'arrêter pour me taper. Mais le tout, c'était dit que maintenant, moi, je marche, tu sais. On te dit que, il y a même d'abord, le déon n'est même plus d'abord bien. Tu me tapes, tu pars qu'on gâte. Tu vois comment il y a un parti qu'on gâte, non? Donc, il sait ta maman, laisse Prince Aimé. Va balader ta carrière. Ou tu manages le genre que ta femme vend là. On a lancé même le concours, on dit que c'est maintenant Mado et toi qui vous êtes en compétition dans le genre. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a une élection là, on dit que c'est un concours, que c'est toi qui vas gagner dans le genre ou c'est Mado qui va gagner, je ne sais pas. Mais laisse Prince Aimé, il a une famille. Manage-toi toi-même. Sois Nambungé. Voilà, la loterie américaine a débuté depuis hier. Et les gars sont en train de s'inscrire. Que chacun tente sa chance. Pleurer la galère. Mais quand l'opportunité se présente. Bon, ceux qui disent que Franco fait la tarakou pour avoir son argent, ils n'obligent personne. Mon frère, c'est chacun qui cherche le bonheur pour lui, non. Si quelqu'un ne veut pas le bonheur, c'est simple. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont aussi tenté leur chance, non. Moi, j'ai joué depuis 10 ans. Je n'ai jamais eu. Pourquoi il ne doit pas vous dire la vérité? Il y a des gens qui ont joué une fois, ils ont eu. Il y a des gens qui ont joué 17 fois avant de eu. Quand vous arrivez au studio, demandez-moi, je vous présente les gars, les interviews. Vous allez comprendre combien d'années d'autres ont fait avant de réussir. J'ai fait l'interview, tous ceux qui ont réussi. Mais je ne peux pas afficher leur. Pardon, je ne peux pas afficher leurs images. Je vous ai toujours dit, je ne peux pas. Je ne veux pas les problèmes. Parce que personne ne me donne l'autorisation d'afficher son image sur Facebook. Voilà. Vous connaissez bien les sorciers du village. Non? Tu vas afficher la parole en temps, ça va les mots de tête, pap, accident ou quoi. Non, non. Si quelqu'un veut entendre, veut les preuves que les gars ont, oui, dès que tu arrives au studio, dit que je veux voir les images de ceux qui ont eu l'année passée ou l'année surpassée, on va vous faire regarder et vous allez confirmer. On se retrouve au studio Vision Pro. Si tu en passes au Tango, ne manquez pas. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça.
on a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère, regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire de ne même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Takuke Mathieu, dit docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème à tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kystes, de cancer, de troubles d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge grave. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est des traitements qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la Recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, tous vos problèmes de santé, venez nous voir et vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mangui le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mindon le vendredi. J'ai trois minutes dans la vie de vous pour soigner les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.